Сейчас кайф поймаем. А я первый кайф поймал. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est Ricouvab. J'espère que tout le monde va très bien. Moi, perso, ça va nickel. Alors aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo sur... donc, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo que je vous ai faite, sur aujourd'hui, trois tabacs. Ah, je ne sais pas si je vous fais les trois. Allez, si, on va faire les trois. Soyons fous. Alors, nous allons commencer par... Donc, c'est les produits de Sigaclean. Hein, c'est le classique USA. Classique USA. Alors, c'est un goût tabac, bien sûr. J'ai marqué, et un petit peu, parce que je me souviens plus de tout, c'est un goût américain classique. Il est légèrement sucré. Il a quelques notes de gourmand avec de la vanille et du caramel. Voilà, vous savez tout. Donc, on va goûter ça. Donc, comme vous savez, vous avez vu sur la vidéo, je suis pas très tabac. Je vais essayer un petit peu de tabac. Là, parce qu'il y a de la vanille et caramel. Vanille et caramel. Ça sent vraiment la vanille et caramel et le goût de tabac. Ouais, vraiment bon. Alors, c'est pareil, je l'ai en 6 mg. Je ne vais pas vous répéter, vous le trouvez dans tout ce que vous voulez, de 0 à 12. Voilà, donc chez Sigaclean. On est parti. Allez. On va en mettre un petit peu, on va goûter ça. Voilà. J'en mets pas beaucoup parce que je vais être obligé de... Vu que j'ai deux... Ouais, j'en ai trois à la limite. Je vais pouvoir peut-être le faire sur les trois. Les résistances sont toutes neuves, je viens de les changer. Donc on est à 35 watts à 0,22. Allez, on va se mettre à 35 watts à 0,22. Voilà, 35 watts, 0,22, on est parti. Alors ça, c'est pour ceux qui aiment le tabac. Je sais que vous êtes nombreux à l'aimer. C'est bon. Moi qui n'ai pas l'habitude de vapoter du tabac. On sent le goût du tabac blanc. Blond, pardon. C'est vrai que c'est légèrement sucré. Par contre, on ressent bien la vanille et le caramel. C'est magnifique. Montez un peu en température. Je suis sûr qu'il doit être meilleur. Je vais le mettre à 45. Allez, 45 watts. Voilà, là je suis à 45 watts. C'est parti. Il est bon. Vraiment bon. Alors, pour les amateurs de tabac, je vous le recommande. Hein. Moi, je l'ai en 6. Donc, c'est classique USA. Donc, il a vraiment le goût du tabac blond. Légèrement sucré. Par contre, on ressent vraiment la vanille et le caramel. C'est vraiment bon. Je vais essayer d'ouvrir un petit peu les airflows. Là, j'étais à moitié. Ah ouais. Aérien, il est encore meilleur. Moi, c'est un tabac que je vous recommande. Vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Celui-ci, moi, je l'adopte, il n'y a pas de problème. Vraiment bien. Donc, chez Sigaclean, c'est le classique USA. Nous allons passer au deuxième. Donc, je dois... Ouais, je l'ai fini. Ah ouais, il est bon. Ouais, je finis pas de vaper tellement qu'il est bon. Le deuxième que nous allons faire. Alors, le deuxième, c'est un tabac à pipe. C'est le Fircured. Fircured. C'est un tabac à pipe. OK. Et il va très bien pour les personnes qui aiment le tabac brun. On va essayer ça. Vous voyez, je ne les ai pas ouverts. Hein. Je vous le fais vraiment. Alors lui, franchement, à l'odeur, il n'y a pas d'odeur. Non. Il n'a pas d'odeur. On va goûter. On va goûter ça. Tout de suite. Donc là, j'en ai plus du tout. Je l'ai fini. C'est pour ça que j'en mets pas beaucoup. Comme ça, je peux. Dernier, je vous le ferai quand même dans une résistance neuve parce qu'il est spécial.
Il est spécial. Alors, lui, c'est du tabac à pipe. Alors, je vais vous dire, j'ai fumé la pipe pendant des années, donc je vais reconnaître tout de suite si c'est un tabac à pipe. Je suis à 45 watts à 0,22 ohms. C'est parti. Oui. On retrouve. Bon, pour le tabac brun, je ne peux pas bien vous dire parce que j'ai pas eu bien l'habitude de fumer du tabac brun. Donc je ne peux pas vous dire si ça a vraiment bien le goût. Mais tabac pipe, oui. Alors le goût reste en bouche. Vous avez toujours ce goût qui reste dans la bouche, c'est vraiment bon. Vraiment bon. Je vous le recommande. Il est vraiment bon, celui-ci. Alors, ça s'appelle le Fircured. Fircured, hein, de Sigaclean. Pareil, vous le trouverez de 0 à 12 mg. Maintenant, nous allons changer. Nous allons faire le dernier de tabac. Oui, bon, celui-là. Ah, bon, j'avais l'habitude de fumer la pipe un peu, donc c'est vrai que je ressens tout de suite le goût du tabac à pipe. Donc les deux que je vous ai fait, déjà, ils sont pas mauvais. Hein. Et ce que je vous dis, c'est la réalité. Attention, c'est pas de l'amusement. C'est vraiment. Bon, après, c'est l'idée à moi. Hein. C'est vraiment le goût que moi je ressens. Le dernier qu'on va faire, donc de Sigakin, c'est le FRM. Alors, celui-ci, je ne sais pas ce qu'il peut donner. Parce que c'est un tabac classique blond avec du fruit rouge. Il a du fruit rouge à l'intérieur. Allez, on va ouvrir ça. Légèrement le goût du fruit rouge, on sent. Le tabac, on le ressent un peu mieux. Alors, on va essayer. Donc, j'ai changé d'atomiseur. On va essayer ça tout de suite. Alors, moi, je viens de faire un constat, vous voyez, sur tout ce qui est. Tout ce qui est tabac. En fin de compte, ils sont meilleurs à haute température qu'à basse température. Alors là, j'ai 0,47 ohms, je suis à 45 watts. On va essayer ça. Oui. Bon, vous le sentez pas la première taf, hein, je vous le dis tout de suite. Oh, qu'est-ce qu'il est bon. Alors, c'est un produit. Comment vous dire ça? On ressent plus le goût du fruit rouge. Pourtant, c'est du tabac. Le goût du tabac revient en arrière-goût. Il vous reste dans la gorge, sur la langue. Mais quand vous le tirez, c'est le fruit rouge qu'on ressent. Je vais le laisser à 45 watts parce que c'est pas la peine que je descende plus. Je peux le monter à la limite. C'est ce que je vous dis. Hein. Moi, je préfère à la limite le vaper 52 à 52 watts. Oh, c'est magnifique. Alors, ceux qui n'aiment pas trop le tabac ont un léger goût du tabac blond. Mais on ressent vraiment le goût du fruit rouge. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Alors, là, c'est les trois. Donc, moi, les trois, là, je les adopte sans problème. Ils sont vraiment bons. Pourtant, je vais vous dire, je ne suis pas vraiment fan du tabac. Hein. Donc, c'est les trois de Sigakin. Alors, pour les commander, je vais vous répéter comment il faut faire. Vous allez sur le Facebook. Je vous mettrai sur la description. Vous allez tomber donc sur Jérôme. Vous lui passez sa commande. Une chose que je n'avais pas précisé, au-dessous de 30 euros, c'est 3 euros de port que vous avez. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Sinon, si vous les achetez, donc en 10 millilitres, 3 euros. Si vous les prenez par 10, ça vous fait 2,50 € l'unité. Donc 25 euros les 10. Donc ça vaut le coup. Vous voyez, je vous en ai déjà fait. Moi, je vous en ai déjà fait 6. Vous avez déjà 6 produits différents que vous pouvez commander. Il m'en reste deux, vous en rajoutez un petit, et puis voilà, le tour il est joué. Moi, ça, j'adore.
Si ma vidéo t'a plu, oublie pas, mets un petit like, partage et puis abonne-toi, ça me ferait plaisir. Parce que si tu veux suivre toutes mes vidéos, active la petite cloche. C'était Ricouvap, on se retrouve très très bientôt. C'est promis pour une prochaine vidéo.